my world. Bonjour, je m'appelle Agir Tijani, je suis tunisienne et je suis volontaire internationale de la francophonie, VIF, de la promotion 2016. Je suis actuellement affectée à la représentation permanente de la francophonie auprès des Nations Unies à New York, aux États-Unis. Mon poste est celui d'assistante de coopération sur les problématiques du développement durable. Je suis très contente avec cette expérience. Le programme VIF, c'est un programme exceptionnel qui offre une occasion de vivre une expérience humaine et professionnelle très riche. Je vous invite tous à postuler à l'appel de candidature qui va être clôturé très bientôt, le 26 juillet. Rejoignez l'aventure, vivez cette expérience de volontariat. C'est magnifique, c'est unique et c'est très riche. Vive la jeunesse francophone, rejoignez-nous. Salam alaikum, bonjour. Alors, je me présente Nadia Laknati, Khnaeti Nadia, et je suis volontaire internationale de la francophonie pour la promotion 2015. Voilà, donc je suis affectée au Vietnam donc pour une année à Ho Chi Minh Ville en tant que chargée de projet pour le campus numérique francophone. Et c'est une implantation de l'Agence universitaire de la francophonie. Voilà. Alors, je vais vous donner des conseils. Alors, le programme de volontariat international de la francophonie, c'est une opportunité unique de vivre une expérience de mobilité internationale. En fait, il faut faire preuve non seulement d'ouverture d'esprit, de capacité d'adaptation, mais aussi et surtout le sens de l'organisation et la sociabilité. Donc, c'est le respect de la culture du pays d'accueil. Il y a toujours de bonnes ou mauvaises raisons d'hésiter à postuler, mais vraiment, je vous conseille vraiment d'y aller, quoi, parce que il faut être motivé, croire en soi et faire un effort de mettre toutes ses chances de son côté en préparant un projet professionnel cohérent en vue d'un bon choix. Et je conseille aux futurs étudiants de postuler en fonction de leurs compétences et non pas de se focaliser que sur la destination. Ça, je le répète régulièrement, donc voilà, c'est important. Voilà. Bonjour à tous, je m'appelle Hakim Bejaoui, j'ai 27 ans, je suis franco-tunisien et depuis mars 2016, je suis affecté ici à Québec, au Canada, à l'Institut de la francophonie pour le développement durable. Donc je suis ici en tant qu'attaché de programme Économie verte en Afrique et la principale mission de ce programme Économie verte en Afrique, c'est de renforcer les capacités des ministères et des institutions publiques pour qu'ils prennent en compte le développement durable dans leurs activités. Donc on fait ça par des colloques, des conférences, des ateliers de formation. Et donc c'est très enrichissant parce que ça me permet de rencontrer tous les partenaires qui sont dans l'Afrique francophone plus particulièrement. Et donc à défaut d'avoir été convaincant, j'espère que cette vue ici de Québec, la vue panoramique avec le château Frontenac derrière, le sera plus que moi. Et je vous invite vivement à postuler pour cette expérience parce que c'est vraiment une expérience enrichissante. Et j'espère vous accueillir bientôt dans la grande famille de volontariat. À bientôt.